Oula, il y a du monde. Est-ce que j'ai de la place? Ouais, j'ai de la place carrément. Allez, allons-y. S'il vous plaît. Je ne sais pas, très sincèrement, mais je préfère combattre en journée. Deuxième jeu de l'amour absolu. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est fan aussi de Fallout. Ah, le métro, le métro. Est-ce que j'ai pris mon ticket de métro? Pour éviter d'être emmerdoyé. Quoique, j'ai pas besoin de m'occuper des unités Robco. Ouais, je l'ai pris le ticket. Bonjour. Paquet de cigarettes, je prends. Les toilettes, très utiles les toilettes. Merci. Un peu plus de lumière. Ticket de métro, j'en ai déjà un. Sans intérêt, il n'y a pas de drogue dans le coin. Hop là. Par contre, il va y avoir du sport. Hein. Entre les super mutants et le merdier qui m'attend. Bonjour. Ah, je sais qu'ils sont à l'étage. C'est pour ça que je prends mon temps. Il n'y a que dalle. Okay. Ah, bah des ghouls, ça fait plaisir. Où qu'elles sont les gougounettes? Oh, regardez. Viens ici, ma biche. Regardez comme elles sont cute. Et vous savez quoi, on va rigoler un peu. Non. Non, c'est pas ce que je voulais. Non plus. Ok, tu me l'as enlevé. Ok, ok, pas de soucis. Alors, on va remettre ce qu'il faut. Minfrag. Oh, j'avais oublié le pistolet mitrailleur de millimètre. Je suis débile. C'est pas grave. Et le Steam Pack, je l'ai mis en 7, je crois. Ouais, parfait. On va rigoler. Ah oui, mais ce débile, s'il reste collé, on va pas s'en sortir. On va ouvrir. Ah, attendez. Hop. Et voilà, maintenant ça va cavaler. Solide les bestiaux. Propre. Ça change pas trop de 7 days. Bon, tu peux pas comparer sur 7 days, tu peux farm, tu peux craft, enfin tu peux faire beaucoup de choses. Oh, je kifferais d'avoir un Fallout 3 avec les mêmes possibilités que 7 days. Là je signe les deux mains. Hein. Alors, là sans problème. Hein. Là je le prends en édition collector plus goldé. Voilà. Un de moins, parce que comme ils mettent des plombes. Hop, 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 petit coco. Sixième sens, un film génial. Ah, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Alors, attendez. Pas de panique. Pas de panique. Maintenant, je dois paniquer parce que j'en entends cavaler. Voilà. Vite hein, quand même, ça court vite à une dégoule. Hein. Et hey, bonsoir à toi, Propergol, comment tu vas, l'ami? Mais c'est à la mode Fortnite, voyons. Ouais, bah, du coup, s'il n'y a pas de PNJ, on ne peut plus appeler ça Fallout. Bah, c'est ce qui faisait aussi le sel, hein, c'est-à-dire les personnages de Fallout ont quand même de la gueule. Voilà, je veux dire, c'est vrai que Fallout 3, même si j'ai eu la hype autour, j'étais un peu déçu parce que je le trouvais un peu lisse, politiquement correct. Je n'étais pas habitué avec Fallout 1 et notamment le 2. Mais bon. D'accord, il y a que dalle. Fuck you. Oh.
j'ai récupéré de la viande de fourmi, ce qui sert à que dalle. Où est la viande de fourmi? Où es-tu? Non, ça on va le lire. Ça je m'en débarrasse. Nicolas Tesla est beau. Ouais. Super. Il y a les gars de la confrérie, ça fait plaisir. Alors attendez, d'abord je vais aller fouiller un peu. Oh, 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 qui c'est qui tient? Où c'est que ça tient? J'en vois un là-bas, ouais. Ouais, mais j'ai pas envie de vous parler de suite là, les loulous, hein. Sans vouloir vous offenser. Ce que je voudrais, c'est d'abord aller looter, hein, si ça vous dérange pas, voilà. Il y a que dalle, et là il y a que dalle. Ok, allez, on s'arrachouille. On va aller parler au gars de la confrérie. Je pense qu'il n'y a rien en dessous, mais bon. Non, il n'y a que dalle. Ok. Il y a quelqu'un qui ne doit pas être dévoilé, voyons. Sinon, il ne me protégera plus. Bonjour. Ne le prenez pas mal, mais je suis un peu occupé à vous sauver, là. Bon, bah, dis donc, t'as de la gueule. Bonjour. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez rien à faire ici. Les super mutants ont débordé nos frères dans le coin de Galaxy News Radio, et nous allons là-bas en renfort. Vous pouvez venir si vous voulez, mais baissez la tête et tâchez de ne rien faire d'idiot. Bonne nuit à toi, Vince. Merci beaucoup pour ton passage, ta bonne humeur, ton humour, enfin bref, tout, 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 tout. Bonne soirée, bonne nuit, mon ami. Merci pour le coup de main, je ne savais pas que cet endroit était si dangereux. Vous avez vécu en ermite? On est à DC. Toute la ville grouille de super mutants. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Alors, vous cherchez de nouvelles recrues? Négatif. On a déjà trop de conscrits. La plupart ne sont pas assez entraînés et trop pressés de faire feu pour leur bien. L'initié Redin en est un exemple clairement, idéal. Alexandre. Qui avez-vous dit que vous étiez déjà... Avez-vous dit quelque chose au sujet de Galaxy News Radio? Les endroits sûrs sont rares dans les ruines. Mais l'immeuble de Galaxy News Radio est un peu... comme un port dans la tempête. Hélas, l'immeuble a été salement touché dernièrement. Et bonsoir à toi, celle sur les pièges. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, on va y aller. Bienvenue à toi. Je connais pas ce pays, c'est beau. Je suis Sarah Lyons, paladin et commandant de la troupe de Lyons. Nous faisons partie de la confrérie de l'acier. Bonne nuit à toi, Alex. Nous faisons de notre mieux pour contenir les super mutants dans ce secteur. Bonne soirée, bonne nuit. Mais quand des civils déboulent, ça devient un peu difficile, pas vrai? Prudence là-bas. Ah oui, non, mais je vais vous accompagner, les cocos. Oh, bah je comptais pas partir bien loin, hein, de toute façon. Quelle est la situation? Quelle est la situation? Il est mort, l'initié, machin. Et je vais prendre aussi son casque, si ça vous dérange pas. Bien. Jennings? Négatif. C'est quelqu'un d'égaré qu'on a ramassé. Tombé sur les moches dans la 42e. Bienvenue. D'accord. Dispositif habituel. Redin? Bonsoir. Vous faites ce que vous dit le paladin Vargas. Oui, j'avais pas et vu. Vous la bouclez. Merci beaucoup pour le follow, celle sur les plaies. Merci énormément. Que Dieu t'entende, Monkey. Aux armes, frère! Aux armes! Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, mais c'est vrai que j'en ai une maintenant. Ça faisait un moment que je cherchais. J'étais en train de pleurer. Ah, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. Et le fusil d'assaut, je le veux. Ah ouais, mais là, c'est un peu problématique. Le fusil d'assaut, je le veux en 5. Non, fusil de chasse. Merci mon petit canard au miel. On a deux fusils laser, on va les bricoler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pistolet 10 mm, c'est pas terrible. Le pistolet laser, why not?
Allez, let's go. Vargas, Rodin, déployez-vous et vous tenez. L'avant-poste est au sud, tout près. Colvin, vous êtes nos yeux. Vargas, Rodin, sécurisez ce bâtiment. Oula, ça cartonne. Bon, il va falloir peut-être que je sorte de mon trou, moi. Ok. Ouais. Eh ouais. Arrêtez ça. Alors on va se débarrasser de la chair de Ratcaffa. Vous gaspillez des munitions. Qui d'autre? On vient de leur filer une. Vous pouvez toujours compter sur mon père pour. Il est le meilleur. Vous voyez que tous les moches de DC étaient là. Prenez par l'est, moi par l'ouest. Oui, je sais que je suis en surcharge. Mais ce n'est pas un problème. Je vous lis juste après mes petits canards, hein. C'est juste que je répare, histoire d'être un poil tranquille. Il est à fond déjà. Une fois à l'intérieur, on pourra fêter ça. À la défaite du Behemoth, j'ai pris le Fat Man et allons-y. Alors par contre, moi et tirer au Fat Man, je crois que j'ai raté mon coup. J'ai bien le ping. C'était bien fun. Partez. Oui, monsieur. Ah, mais c'est elle que je cherchais. J'imagine que c'est à mon tour de vous remercier. Quoi qu'il en soit, la zone est sûre. Alors vous pouvez aller voir Three Dog si besoin est. Oui, madame. Ouais, autre chose à bien, la confrérie avait besoin d'un avant-poste sûr, et le type de la radio n'avait pas envie de se faire arracher la tête par les super-mutants. C'est une relation qui bénéficie aux deux parties. C'est Three Dog qui dirige la station. Il émet presque sans l'aide de personne. Il est... intéressant. Il faut bien lui reconnaître ça. Vraiment pas. Dommage. Vous savez vous débrouiller, je le reconnais.
Mais ne nous laissons pas emporter. Elle a eu une belle mort. Finalement, c'est tout ce qui compte. Prudence, là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer le paladin Reading? Ah ben, voilà. Initié Reading. Tu vois, il fallait juste simplement en parler. Armure assistée. Casque assisté. Et le fusil d'assaut chinois, il est dans quel état? Parce qu'il est vraiment top. Mucho gusto. J'aime beaucoup. On dirait que c'est bon. Ouverture des portes extérieures. Baissez les armes, les gars. Je vis en paix. Je suis un homme de paix. Ravi de vous rencontrer. Je suis le chevalier Dylan. Si vous avez besoin de quelque chose, j'essaierai de vous aider. À quoi sert ce bâtiment? Vous avez un Pip-Boy? Cherchez Galaxy News Radio et écoutez. C'est la seule station de toute la capitale à dire les choses comme elles sont. Je dois parler à Tree Dog. Oh, vous pouvez monter. On vous attend. Ne vous mettez pas sur notre chemin et tout se passera bien. Les deux, mon cher Cyril. Ça a vraiment été un sacré combat. Bon travail. Merci. Un mec qui est super poli, je vais pas me plaindre. Alors ici, il y a du loot, hein, par contre. Il y a des trucs à récup. Alors. Bon, là, ça sert à que dalle parce que je ne peux rien fouiller. On va aller chercher. Ah, le voilà. Votre visage parle pour vous. Vous vous demandez qui je suis et ce que je peux vous apporter. Alors, je vais vous éclairer. Je suis Three Dog, disjockey et crieur de vérité, seigneur et maître de la meilleure radio des terres désolées, Galaxy News Radio. Quant à vous, eh bien, je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez quitté cet abri pour voyager vers l'inconnu. Comme papa, hein? Je l'ai déjà vu. Alors, je peux pas lui voler parce que j'ai pas une bonne compétence, tout simplement. Eh, une chose à la fois. Non, votre vieux n'est pas ici. Il n'y est plus. Il a entendu le vieux Three Dogs à la radio et il s'est dit que je devais savoir ce qui se passait dans le coin. Il avait raison. Je l'ai rencardé. Mais il s'est cassé. On dirait que j'ai ma manière de contribuer au bon combat et qu'il a la sienne. Le bon combat, qu'est-ce que c'est? Imaginez un tableau, d'accord? Un tableau des terres désolées. Des briques et de la pierre. Un gros tas de décombres, d'accord? Là-dedans, il y a des gens qui peinent à s'en sortir, qui se battent pour rester en vie et faire quelque chose de ce qui reste. Et il y a plein de pourriture. Négriers, super-mutants, raiders. Ils veulent tous une part du gâteau et sont prêts à la prendre par la force. Ah, ça alors! Votre père ne peut pas vous renier. Il vous a légué son intelligence. Puisque vous connaissez tout de la cause, inutile de vous en expliquer les effets. Mettons-vous sur les rails. Comment vous avez su? Ah, allez, vous êtes son portrait craché. Il est venu ici et maintenant vous voilà. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Vous voulez retrouver votre père. Et votre serviteur sait où il est. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir contribuer au bon combat. J'ai un nom. J'ai du talent, mais je n'ai besoin de personne pour aller me chercher ce dont j'ai besoin. D'accord, la confrérie protège le coin, oui, ouais. C'est son assistante qui mais reprend c'est tout ce les rênes. Peut faire. Galaxy News a besoin de main-d'œuvre. Quelqu'un qui irait rendre des services au dehors, dans le monde sauvage. Alors, ça vous tente? Pour chaque guerre, il y a plusieurs fronts. Galaxy News Radio est l'un d'eux. Mais la vieille dame a besoin d'aide, parce qu'elle souffre. Alors, je veux bien vous aider, vraiment. Mais si je vous aide sans rien en retour, j'aurais perdu le combat. Et il n'en est pas question. Pigé ? Vous voulez retrouver votre père, et votre serviteur sait où il est. Il est venu ici, à Galaxy News. On a eu une longue conversation.
C'est vraiment quelqu'un. Ouais, non, mais clairement, moi aussi. Et vous voulez en savoir plus, il va falloir contribuer au bon combat. Tant mieux, parce que ça ne va pas être facile. Galaxy News Radio est mon bébé. Je lui donne le biberon, je lui change ses couches. Mais personne ne l'entend pleurer en dehors de DC. Vous voyez, un super mutant sans cervelle a trouvé drôle de tirer sur le truc rond qui brille sur le Washington Monument. Ouais, ce truc brillant était notre relais d'émission. Maintenant, c'est du gruyère. Sans lui, notre couverture est assez limitée. Naturellement, l'usine qui fabriquait ces paraboles de relais a disparu depuis longtemps. Rasée. Genre, on ne trouvera plus jamais cette pièce. Falcat, je te jure, n'importe quoi. C'est risqué, je ne vous mentirai jamais. Mais il y a quelque chose derrière vos yeux qui hurle « Il n'y a que moi qui en suis capable !» Votre père avait le même regard. C'est la raison pour laquelle Three Dog vous aide. L'un des mecs de la confrérie qui est passé par ici a dit qu'il avait vu une parabole dans l'un des vieux musées de DC. C'est la parabole du vieil alunisseur Virgo 2 du musée des technologies. Je veux que vous alliez la chercher et remplaciez la vieille sur le Washington Monument. C'est tout. D'accord, marché conclu. Je m'y entends pour choisir les gens. J'aime les gens qui se sacrifient pour moi. Vous allez être la meilleure chose qui soit arrivée à Galaxy News depuis bien longtemps. Si vous avez besoin d'autres infos, je serai ici. C'est tellement... Allez, parfait. Ah, level up. Yes. Galaxy News Radio. Allez, on va s'arrachouiller. Je pense que c'est par là. C'est vrai que ça m'enquiquine. Parce que j'ai beaucoup d'armure, beaucoup de cochonneries. Je pense que je vais faire un petit voyage rapide. Pour me débarrasser un tout petit peu. Des bisous à toi, Océrine. Merci beaucoup pour ton passage. Bonne soirée et bonne nuit, mon cher. Oula. Je me suis peut-être gouré de chemin. Pas forcément remarqué. On peut descendre par là. Combien? J'en ai aucune idée, ma chère Kiltia. Oh, merdasse. Con de goule. Bah déjà, je vais les rediffuser aussi sur la chaîne, donc je serai incapable de te dire, ma belle. Oh, déjà, on va descendre, si on peut. Voilà. Je vais voir si j'ai rien oublié. Et on poursuit. Bah. Où qu'il est ce débile? Alors déjà, on va aller par là. Qu'est-ce que c'est que cette station? Faut combien d'heures pour finir le 3? Oups. Alors pour finir le 3, je ne m'en souviens pas. Parce que vu que je vais me taper aussi les DLC... Petite saleté. Voilà. Non, on met tout le monde d'accord avec ça. Une petite semaine de vacances chez les beaux-parents. Ah bah c'est cool. Un petit peu à la cool, quoi. Mais ça m'a l'air bien, hein. Ah, c'est ça, il faut passer par là. Ça me parle.
J'ai tué le président de la RNC dans son hélico et j'ai bombardé le barrage. Tellement faible la RNC. Bon, je peux te retourner la même chose, hein, la Légion de César, tellement faible. Puisque tu les torches à toi tout seul. Il y a un peu de monde par là. Je vois que c'est fléché, on ira après. D'abord, je zone. Et bonsoir, Dodo le Koala. Merci beaucoup pour ton soutien, mon ami. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Oh. Reste couché. Bah. Où tu vas, Coco? Voilà, propre, hein. Bien, comme d'hab. Eh bah écoute, c'est cool. Pourquoi je ne suis pas surpris qu'il tient. Oup, 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 ouvre grand la bouche. Il y a un vrai projet pour la... Oui. Bah après, comme le dit Falcat, hein, in-game, on a chacun nos comment dire... Nos convictions. Il a raison. Couché. Ah ben je demande à voir qu'il tient. Hein. Beaucoup de promesses. Hein. Je vais te mettre en pièces. Pourquoi pas. Bah, viens. Qu'est-ce que t'attends, Coco? Ah bah écoute, en tout cas, si à un moment donné tu as la flemme, je te renvoie sur les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Parce que je les ai rediffusées en fait, le 1 et le 2. Je pense que beaucoup de membres de ma communauté connaissent mon goût pour les Fallout. Je crois que c'est difficile de le cacher en fait. Ah, le tour par tour, oui, je peux comprendre. C'est... comment dire? C'est particulier. Je peux comprendre que ça soit particulier. Mais bon, moi j'en ai soupé, hein. J'en ai soupé, donc... c'est vrai que pour moi, le tour par tour... bon, bah... On va dire que pour un vieux clou, c'est presque la normalité. Alors, oui, 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 oui... Oh putain! Où t'es, petit bâtard? C'est quoi, c'est un mec? Ah ouais, là il m'a mis tarif. Petit con. Oh bah d'accord, derrière la porte, merci quoi. Oui, ça fait mal. Hein. Dans la tête de suite. Voilà. Oh. Où tu es, Coco? Profiter pour réparer. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont tristounés ces raiders. T'es où, Coco? D'accord, t'es en train de caler de l'autre côté. Parfait. Mais je vais y aller. Et les charlots, je suis là. Oh,
Attends, Coco. Ah oui, ça pique. Hein. Non mais attendez, je viens de vous sauver la vie. D'ailleurs, dans Fallout 4, l'IA est toujours aussi conne. J'avais filé mon Fatman à Valentine quand on est allé au QG du mec qui a kidnappé le gamin au moment de combattre le méchant. Valentine utilise la nuque, donc tout le monde meurt. Franchement, je vous le dis, laissez pas une bombe atomique à n'importe qui. Ah bah voilà, le 10 mm, c'est très bien, ça fera le boulot. Bah elle est où là? Bah t'étais là. Je te cherchais. C'est un peu triste, mais bon. Alors, il y a un autre loser qui traîne. Ok. Voilà. Je crois que c'est par là. Dites-moi que c'est par là, parce que là, ça me rend fou.